Au styliste, parlons de l'image professionnelle, vêtements et tendances de la mode. Bonjour, je suis Marie et aujourd'hui je suis venue au styliste pour demander quelques conseils sur la tenue vestimentaire. Je suis une personne publique et l'image est très importante pour moi. Bonjour Marie, tu es venue au bon lieu. Parlons-nous un peu sur les tendances de cette saison du printemps. Premièrement, dans ta garde-robe, ne doit pas manquer le blazer noir classique pour les occasions importantes, les rendez-vous et les événements publics. Et le blazer, comment pourrais-je l'assortir? Il est très important que les pièces vestimentaires qui couvrent la partie supérieure du corps, les chemises ou les blousons, soient assorties aux chaussures. Celles-ci doivent avoir une couleur chaude, orange ou rouge, ou bien toutes les nuances de ces deux couleurs. Quel type de chaussures doit-on choisir? Tant pour les femmes que pour les hommes, il faut choisir des chaussures classiques. Concernant les accessoires, qu'est-ce que tu nous conseilles? Les cravates, les boutons, les bracelets pour les deux sexes devraient être des créations artisanales. Quel modèle devrait-on choisir pour les chemises et les blousons? Pour les hommes, le modèle classique. Et pour les femmes, celui léger pour qu'il permette tout mouvement. Parle-nous un peu des pantalons et des jeans. Les pantalons devraient être légers. Toutefois, on a des jeans étroits pour les nuances de bleu et gris. Il faut poser l'accent sur le contraste des couleurs et sur les accessoires. Si on a des vêtements d'une couleur sombre, on doit choisir une pochette ou des chaussures de couleur claire et forte. Il ne faut pas oublier les blousons midi. Merci beaucoup. Je suis sûre que tous ceux qui veulent suivre la mode tiendront compte de tes conseils.